Salut à tous les amis, c'est Kaizen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo setup que je vous avais promis depuis un petit moment déjà et je viens de la tourner. J'ai essayé de faire un petit truc sympa au niveau du montage, c'est-à-dire que je l'ai, enfin vous allez voir la vidéo de toute façon. Voilà, j'ai essayé de faire un petit truc, j'espère que ça va vous plaire, voilà tout simplement. De toute façon vous retrouverez toutes les caractéristiques de mon PC dans la description. Bien sûr, tout sera écrit, mais je le dirai dans la vidéo aussi, vous inquiétez pas. Je voulais aussi faire un petit aparté parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur Game of Clutch a beaucoup plu à ce que j'ai vu. Hein, elle est de suite devenue la vidéo la plus vue de ma chaîne, d'ailleurs je vous en remercie. Et voilà, c'est tout. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye. Now, turn up. Donc voilà, on se retrouve sur mon bureau pour vous faire la présentation de mon setup. Voilà, donc avec quoi j'enregistre, avec quel matos je joue, etc., etc. Là, vous avez un petit plan d'ensemble de tout mon setup. Alors faites pas attention à la poussière parce que j'ai voulu faire le setup sérieux, genre le setup où genre j'avais pas nettoyé, etc. Genre vraiment le bureau tel quel. Voilà, donc je vais vous présenter absolument tout le matos que j'ai pour faire mes vidéos, pour jouer. Voilà ce que je vous ai dit au début, hein, genre tout mon matos. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je filme avec mon téléphone, alors je suis vraiment désolé, hein, la qualité est pas ouf. Et puis j'essaye de faire des trucs assez sympas. Donc voilà, donc on va commencer directement la vidéo avec mon clavier, qui est un Razer Black Widow Chroma, qui est pour moi un pas trop bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est voilà. Et une souris Maxter offerte par un ami que je remercie énormément, mais je vais pas tarder à changer de souris. Ensuite, mon écran qui est un LG 27MP37VQ, qui est un 27 pouces que je recommande pour ceux qui ont un petit budget et qui veulent jouer sur un 27 pouces. C'est un très très bon rapport qualité-prix, la prise HDMI, VGA et DVI, d'ailleurs je vous le recommande vraiment. Un petit tapis SteelSeries dont je ne me souviens plus du tout la référence, je suis vraiment désolé, je la mettrai dans la description. Je vous parle actuellement aussi avec le petit Bird UM1, un petit micro USB pas très cher que j'ai payé une quarantaine d'euros. Avec un petit filtre anti-pop et un petit bras. Et franchement c'est un micro de très très bonne qualité pour le prix qu'il propose, je vous le conseille également. C'est un très 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 bon micro. J'ai aussi pour les jeux de course un petit G29 qui est un volant de chez Logitech avec les trois pédales et la boîte à vitesse. Pas très bon rapport qualité-prix j'ai envie de dire parce qu'il est très très capricieux à installer sur PC. Mais sinon une fois qu'il marche très très bien c'est un volant génial. Je vous le conseille vraiment mais seulement si vous avez un peu de sous de côté quoi parce qu'il coûte assez cher. On va passer maintenant à la bête, au monstre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, voici mon PC. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait la poussière. J'ai fait la poussière nulle part pour la vidéo. Hein, donc je suis désolé si c'est dégueulasse. Mais bon voilà, désolé. Je voulais vous le montrer tel qu'il était. Alors ma config est bien évidemment dans la description comme j'ai dit au début. Mais je vais vous l'épeler, il n'y a aucun problème. C'est un i7-4790 avec un petit SSD de 120 Go. 1 Tera de disque dur avec une alimentation de chez Corsair CX600. Une 970 de chez Nvidia. La carte mère, c'est une H97 de chez, MSI aussi. Oui, la carte graphique est de chez MSI aussi. Bon, ça se voit. Mon petit water cooling est un Aqua Lepa 240 mm. 240 mm, je crois qu'on dit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux ventilateurs. Et avec un petit disque dur externe de 2 Tera. Offert par un ami, encore une fois, je te remercie encore, si tu regardes la vidéo. Ainsi que la RAM, 8 Go de RAM, etc., etc. Voilà, à peu près ce qu'il y a dans mon ordinateur, avec un petit néon pour pimper aussi. Ça, voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Voilà, je voulais aussi vous montrer ma petite collection, voilà, donc avec le petit DVD K2000, parce que c'est ma série préférée, voilà, pour les seuls, enfin, les vrais le savent. Ma petite collection, voilà, des petits trucs sympathiques, voilà. Voilà, voilà, voilà. Petit bonus aussi, comme vous pouvez le voir, ceci est mon serveur avec une carte mère serveur, un processeur serveur. Ceci est un vrai serveur où j'héberge le TeamSpeak quand on parle entre potos, etc. Enfin, il n'est pas public le TeamSpeak, hein, donc vous l'aurez pas. Des serveurs de jeu qu'on joue entre amis, etc. C'est avec cette bestiole que j'héberge tous mes serveurs de jeux vidéo. Voilà, c'est voilà, c'était le petit bonus. Je l'ai eu pour pas très cher, en plus avec un petit onduleur, etc. Pour éviter les coupures de courant. Enfin voilà, c'est-à-dire que s'il y a une coupure de courant, c'est lui qui prend le relais. Et voilà, voilà, j'ai un petit fond vert avec les petits trucs Micromania, les petites boîtes, etc. Des trucs assez sympas. J'ai pas mal, j'ai beaucoup beaucoup de posters aussi. J'ai aussi deux manettes d'Xbox One pour jouer à certains jeux PC du genre des jeux de voiture ou Rocket League, etc.
Une offerte par la famille et une offerte encore par le même ami qui m'a offert la souris et le disque dur externe. Je te remercie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo setup. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager, à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, etc. Si vous voulez quelques conseils pour acheter des produits, n'hésitez pas. J'avais oublié de vous dire, ma cam est une Trust HD 1080p autofocus. C'est un ami qui me l'a donné aussi, celle-là. Putain, mais j'ai pas mal de matos qu'on m'a filé quand même. voilà, donc je remercie beaucoup, enfin les gens qui m'ont aidé à faire mon setup ainsi que bah, mes propres achats. Je me remercie moi-même aussi. Hein. Si, hein. Donc voilà, et l'autre cam, faut pas faire attention, c'est une vieille cam toute pourrie, je l'utilise plus, c'est celle que j'utilise pour mes streams avant, mais maintenant je l'utilise plus. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.